un nouveau moment de rencontre avec Judith Magre. Un texte qui nous a suggéré José Ramón Fernández de Max Aube et qui est, selon moi, d'extrême actualité. Anschluss, occupation, annexation. Les Allemands arrivent en Autriche, pas de réaction, ils s'installent. Certains sont très contents, d'autres subissent la violence de l'occupant. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui avec Judith. C'est de ceux qui ont tout perdu, maison, vie, les êtres aimés. Une femme parle à son mari, déjà victime de l'occupation. Judith Magre avec vous. J'ai les mains paralysées. Je peux les regarder comme si ce n'était pas les miennes. Toutes rouges, foncées. Moi, j'ai étudié. Mon diplôme de travail se trouvait dans un cadre en acajou. C'était dans l'autre vie. Je me suis laissé prendre par le froid, les mains gelées. Je ne me déshabille plus que pour me laver le matin. Hein, c'est certain. Je me déshabille de tout, ça personne ne pourra m'en empêcher. Je dis personne, tout le monde le sait. Maintenant, on ne sait rien, c'est bien ça la question. On n'est sûr de rien. Un policier, un agent, un concierge, n'importe qui peut venir immédiatement et m'interdire de me laver les mains. Nous ne sommes plus en Allemagne. Non, mais à Vienne. À Vienne, et en 1938. Il paraît que quand on a les membres du corps plus proches les uns des autres, on a plus chaud. Ça me rappelle quand Rodolfo disait que les personnes les plus grandes ont plus froid que les personnes menues. Ça l'amusait de dire ça et moi de l'entendre. Il le disait pour moi qui suis si petite et pour lui qui était un si beau jeune homme. Une année, nous sommes allés patiner à Grunewald. En quelle année, je ne me souviens pas. C'était avant la naissance de Samuel, donc il y a plus de 20 ans. Non, il y a 30 ans au moins. Je portais mon manteau d'Astrakhan. Si, maintenant, je me rappelle très bien, c'était l'année 1909. Presque 30 ans, il y a presque 30 ans. Et c'est comme si je me levais maintenant même pour aller mettre ce manteau. Et ce bonnet décoré d'une branche de violette de Parme. Et le châle, je crois que je me souviens de tout à cause du châle. Il avait une petite poche à l'intérieur, il était très chaud. Ce manteau-là m'allait très bien. Abba me déconseillait de le serrer autant, mais moi, je savais ce que je voulais. Et je suis resté obstiné. J'ai toujours été un peu têtu. Adolfo me le reprochait en souriant, en ne faisant que répéter mon prénom. « Emma, Emma, tu ne crois pas que... » Ce n'est pas pour autant que je cédais, ça c'est certain. Son ton de voix, si grave, j'ai encore l'impression de l'entendre. Je n'ai même pas une couverture de laine, seulement de vieilles, vieilles en coton. Et il fait si froid. Oh, Adolfo, pardonne-moi si je continue parfois à penser au suicide. Tu sais que je ne le ferai pas. Tu me retiens et m'en empêcheras si un jour je deviens encore plus désespérée. J'ai tellement envie d'être avec toi. Tellement envie. Tu te souviens de Trieste? Et de Salzbourg, tu te souviens, dit.
S'il n'y avait pas de souvenirs, à quoi bon vivre? C'est vrai qu'Emmanuel ne l'était pas, c'est vrai que ce n'est pas possible. Il est mort, ils l'ont enterré, tu te rends compte? On a enterré ton fils, on l'a enterré, et moi je suis encore vivante. Toi, tu me l'expliquais, le Seigneur l'avait appelé, pourquoi pas moi? Ensuite, ton histoire est arrivée, ensuite celle de la maison. Maintenant, je suis ici, en train de nettoyer ce théâtre. Tu te l'expliques, moi, pas? Je n'aurais jamais pensé que ça soit possible. Tu étais un bien meilleur chrétien que moi. Parce que moi, je voulais vivre seulement pour voir comment le monde va finir avec eux. Mais c'est vrai que Samuel ne l'était pas. Quand je sors dans la rue et que je vois ou me rappelle des choses qui se passent, j'ai envie de crier. Je veux que personne ne me console. Peut-être parce que je te porte dans mon cœur. Que personne ne me console, que personne ne réduise ma peine. Personne ne me console. C'est ça la vérité. Je suis catholique. Tu sais que je suis catholique au plus profond de moi, malgré notre sang. Ce sang que je sens bouillir en moi comme si ce n'était pas le mien et qui me met hors de moi et me fait enrager. Je sais que c'est péché, je me rappellerai toujours le jour où j'ai cassé le plat bleu. Je ne me laisserai jamais te demander pardon pour ça, mais une vague de je ne sais quoi est montée en moi. Je l'ai fracassé contre le sol et le repas s'est éparpillé sur le sol et en a suivi une telle crise de larmes. Cette même impulsion que je n'avais ressentie qu'une seule fois dans ma vie me dérange souvent maintenant. Tu crois que c'est la vieillesse? Si tu étais à mes côtés, tu ne pourrais pas me supporter. Tu sais déjà que ce n'est pas vrai parce que j'ai appris à force à me supporter. Peut-être que tu ne le croirais pas, mais ça me plaît même. C'est pour ça que je veux que personne ne me console. Ça doit être péché, tu te rends compte? Non, parfois, j'ai envie de me mettre à crier en plein milieu de la rue. Tu ne peux pas supposer ça de moi, non? Madame la râleuse, tu m'appelais quand tu voulais me faire un peu enrager. Je donnerais n'importe quoi pour savoir si Samuel a fini par être l'un des leurs. Comment pouvait-il l'être s'il était notre fils? C'est un jeune garçon, il n'avait pas encore 20 ans, et nous sommes devenus vieux à en mourir sans plus tarder. Je n'étais pas non plus toute jeune quand je l'ai eu. Tu disais toujours, c'est un enfant, il a dû se laisser manipuler. Comment pouvait-il l'être s'il savait quel sang coulait en lui? Mourir, avant 20 ans. Toi qui es là de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils leur font? Il doit y avoir un enfer spécifique pour eux. Et ça-bas, là-bas, Samuel, là-bas en Espagne, enterré, notre fils qui doit être au ciel, parce que ce n'est pas possible qu'il ait fait partie de leur groupe. Et si c'est le cas, c'est une autre horreur que nous leur devons. Tu te souviens quand nous l'avons amené à la mer pour la première fois, quand il a eu sa pneumonie, le jour où il a fumé sa première cigarette, à table? C'est moi qui lui ai donné, c'est toi qui lui as allumé. Il lui rigolait. Il n'était pas très joyeux, mais il était très bon. Avant d'avoir 20 ans. Tu te rends compte que si j'étais morte avant mes 20 ans, je ne t'aurais jamais rencontré. Sa vie qui n'a pas été, où est-elle, qui en profite? Ils ont fauché mes petits-enfants en fleurs. Il n'y a pas d'enfer pour eux. Je veux que personne ne me console. Je crois que Dieu ne peut pas me punir quand toutes les mesures ont déjà été prises.
Tu te souviens des Weber? Il faut voir ce que tu as fait pour eux. Et moi qui leur avais prêté la vaisselle bleue pour la fête qu'ils ont donnée, le jour des fiançailles de leur fille aînée, tu as sûrement oublié. Eh bien, ils ont ouvert la porte l'autre jour quand j'étais en train de me reposer sur leur palier. Ils ont ouvert la porte, ils m'ont vu, puis l'ont fermée. J'ai continué à monter, je me suis reposé sur le palier du troisième. Ils ont dû en trouver leur porte parce que j'ai entendu ce qu'ils ont dit. Elle s'en est allée, encore heureux. Je ne sais plus comment les gens ne se rendent pas compte que les temps ont changé. Tu te rends compte, Adolfo? Les temps ont changé. Et c'était il y a un an et demi qu'ils m'ont demandé de leur prêter la vaisselle bleue. En face, il y a, c'est ce que je voulais te raconter, mais avec autant de choses, je perds la tête. En face, avec quelqu'un qui était ami avec Samuel, Franz Wolmer. Je ne sais pas si tu t'en rappelleras, très grand, brun. Je me suis réjouie en le voyant. Je l'ai salué, je lui ai même tendu la main. Lui était en uniforme. Je sais bien que j'ai fait une bêtise. Mais je ne peux plus réfléchir correctement. Il allait avec un autre monsieur plus âgé. Il lui a dit « Je ne sais pas comment tu permets de faire rentrer ça dans une maison décente. » Alors je lui ai dit lâchement « Vous avez appris que Samuel est mort en prison à Barcelone ?» Tu sais ce qu'il m'a répondu. Mais je l'ai mérité pour m'abaisser autant. C'est sa faute. Quand on a du sang comme le sien qui coule dans ses veines, on meurt de honte avant même d'être né. Tu comprends? Moi, je voulais parler de Samuel avec quelqu'un, avec qui que ce soit. Je te le dis pour que tu me disputes. Edmundo, le fils aîné des Schiller, balayait le trottoir devant sa maison, très sérieux, les yeux baissés. Il m'a vu, il n'a rien dit. Un homme le regardait fixement et riait et a sorti une pierre de je ne sais où et a cassé le miroir qu'il y avait sur un côté de l'entrée du magasin. « Travaille, fils de chien » a-t-il dit. Certains ont dû en avoir honte parce qu'ils ont fait demi-tour et s'en sont allés. Moi, je ne pouvais pas bouger. Il n'y avait personne dans le magasin Fuchs et un flot de sang coulait sur le trottoir. Deux enfants le regardaient d'un air sérieux. « Moi, j'ai vu !» dit l'un d'eux. « Il a voulu frapper un SS. » Les gens s'agglutinaient à nouveau et moi, bien que je le veuille, je n'ai pas vu passer. J'avais peur qu'un voisin me reconnaisse tout ça pour ce filet de sang. « Du sang de porc » disait-il. « Lave-le » ont-ils ordonné à Edmundo. Celui-ci continuait à balayer, comme s'il ignorait ce qui s'était passé. « Nettoie-le !» lui ont crié deux ou trois personnes, dont une femme qui avait l'air ivre. « T'as compris ?» lui disait-il. « S'il ne l'essuie pas, qu'il le lèche !» cria la femme. Cela a produit un grand enthousiasme, et trois ou quatre personnes se sont jetées sur Edmundo. Ils l'ont pris les uns par les pieds, les autres par les bras. Ils l'ont manipulé comme un manche à balai, la tête en bas, en lui frottant le museau contre les dalles du trottoir. Il y avait de plus en plus de sang. Et moi, je ne pouvais pas m'éloigner. Tu te rends compte? Je ne pouvais pas. Il a dû recevoir des éclats de verre au visage. Ils se sont vite fatigués parce que les deux enfants s'étaient faufilés à l'intérieur du magasin et sont sortis avec deux renards autour de leur cou. Les gens se sont précipité à l'intérieur du magasin comme un torrent. Ils ont piétiné Edmundo, qui s'en est allé en se traînant sur le sol jusque chez lui. Moi, je m'étais mise devant une entrée d'immeuble parce que la foule grandissait. J'étais comme morte. Je voulais m'en aller, sortir, crier, je ne pouvais pas. Ils me serraient contre le mur, ils m'écrasaient, je crois que il y a eu un moment où je me suis évanouie.
Mais je ne pouvais même pas tomber au sol soutenu par autant de corps. À ce moment-là, les pompiers sont arrivés parce que la maison d'en face était en train de brûler. Mais les gens leur ont coupé les tuyaux avec des haches qu'ils avaient apportées avec eux. Et les gens criaient « qu'il brûle, qu'il brûle !» Un homme bien habillé a cassé la seule vitre en bon état qui restait dans la maison d'Anna. Il avait l'air content de son exploit, comme un petit enfant fier de sa précision. Ils criaient tous comme des fous. Moi, je ne pouvais pas me déplacer plus vite qu'au rythme de la foule. Une femme, qui criait plus fort que tous, a eu une crise de nerfs, puis est tombée. Ils l'ont piétinée. Elle paraissait possédée par le diable. Tu crois que ça aurait pu être vrai? On aurait dit qu'ils étaient affamés. J'aimerais dormir. Ne serait-ce qu'un peu. Je dors presque plus, ou si je dors, je ne m'en aperçois pas. Il fait trop froid. Demain, je dois nettoyer notre salle à manger. Chaque meuble me rappelle notre vie et celle de Samuel. Ils ne m'ont pas laissé le temps de prendre quoi que ce soit. Roberto a dit au SS qu'il n'avait pas le droit, qu'il appellerait le commissaire. Il lui a dit avec sarcasme qu'il le fasse. Et il a appelé. Et le commissaire a effectivement dit qu'il n'avait aucun droit, mais qu'il ne pouvait rien faire. 27 ans, Adolfo, tu te rends compte, non? Nous avons vécu ici 27 ans, et ils m'ont jeté comme une vieille serpillière. Ils m'ont obligé à balayer les rues. Non, ne regarde pas mes mains. Je ne veux pas que tu aies pitié de moi, dis-toi de personne. Ils pillaient dans la rue tant qu'il y restait quelque chose et nous sont ensuite obligés à payer ce qui avait été volé. Tout pour le parti, c'est ce qu'ils ont dit. Nous vivons ainsi. C'est ça notre vienne, Adolfo. La nôtre. Tu te rends compte, non? Quand ils sont venus m'annoncer que tu étais mort, je m'y attendais déjà. Tu ne te fâcheras pas, n'est-ce pas? Mais il en était ainsi, il n'y avait plus aucun espoir. Tu te souviens de Florence? Toi, tu t'y connais bien en peinture et moi rien. Et comment tu t'étais fâché après moi en sortant de cette fameuse chapelle. Tu m'as demandé ce que j'avais pensé de ces fresques. Et moi, je te parlais de la lumière électrique qu'ils venaient d'installer pour que les peintures se voient mieux. Je t'ai toujours dit que je ne servais à rien. Et je le croyais dur comme fer. Mais maintenant, je crois que le Seigneur veut me prouver que, au moins, je sers pour souffrir et pour supporter et détester avec mon corps faible et menu. On dit qu'ils t'ont fusillé parce que tu as essayé de t'échapper, qu'on t'a tué contre la grille. Aucun de ceux qui te connaissaient ne peut supposer que tu essaierais de le faire. Tu n'as jamais eu d'initiative audacieuse. La seule a été de demander ma main à ma mère, qui était une femme d'une autre époque. Tu en as vu de toutes les couleurs. Comment tu as pu penser un instant à t'échapper? Tu allais revenir ici? Il t'aurait pris immédiatement. Il t'aurait battu jusqu'au sang. Je sais que tu n'as rien fait, qu'ils t'ont tué juste comme ça, pour rien. Tu m'entends, pour rien. À moins que, subitement, tu te sois mis à crier la vérité. En pensant à moi, tu ne l'aurais pas fait, pour ne pas me laisser toute seule. En plus, ça aurait été un suicide. Et tu es un chrétien, bien meilleur que moi. Et tu n'étais pas quelqu'un qui se laissait vaincre par une impulsion ou par la rage. Je t'ai vu seulement une fois passer du rouge au blanc, et renverser la table et casser la vaisselle qui était dessus. Et c'était pour une broutille. Tu as dit que c'était ma faute. Je ne vais pas en débattre maintenant, mais je crois que tu n'avais pas raison. La casserole était trop chaude
et tu t'es brûlé les doigts, et de là est née ta colère. Mais un jour, la liberté viendra.